Jean-Sébastien, quel plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis. Puis je sais pas, j'ai envie, je vous trouve un peu maussade ce matin. J'avais envie de vous poser une question. C'est quoi la satisfaction pour vous, Jean-Sébastien Ah Bellay? bah, la satisfaction pour nous, ce sont des clients heureux, parce que évidemment, plus nos clients sont heureux, plus nous sommes satisfaits. Et pour que nos clients soient heureux, il faut que nos fonds fassent de la performance avec la volatilité la plus faible possible et qu'on puisse continuer de développer notre thématique, notre process d'investissement basé sur la satisfaction client. Très bien, mais parlons-en justement. Tiens, j'étais hier à Bordeaux FinTech, le premier forum des FinTech. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens intelligents, et ils nous ont annoncé, grosso modo, qu'ils allaient ubériser les sociétés de gestion pour deux raisons. D'abord, qu'ils allaient, les FinTech réfléchissaient plus vite, les robots réfléchissaient plus vite, et deuxièmement, ça écrasait les marges. Racontez-moi. Oui, bah, l'ubérisation, maintenant, c'est un mot qu'on utilise à peu près 18 fois par jour pour tout et n'importe quoi, jusqu'à l'ubérisation de la charcuterie. Je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. L'investissement est le fruit d'un travail long, fastidieux, qui s'appuie sur des éléments tangibles. On investit dans une société, on n'investit pas dans les cours de bourse. Donc, il est très important de connaître les sociétés, de les comprendre, de rencontrer les managements, de leur poser des questions. Nous, en ce qui nous concerne, on va rencontrer des gens dans l'entreprise qui sont des gens du marketing, des opérationnels, qui sont en lien avec le client, et puis on va rencontrer les clients des entreprises. Donc, si les robots veulent aller rencontrer tous ces gens-là, pas de problème. Ah ben on peut imaginer des robots qui iront rencontrer ces gens. Mais alors, c'est bizarre, vous me dites, la banque c'est mort, l'hôtellerie c'est les fintechs. En fait, grosso modo, depuis qu'on parle, vous me dites sans arrêt qu'il faut investir dans les fintechs. Et vous me dites pour votre métier, non, non, pas du tout. Ça va rester un truc de mec, hein, quand même. Ou de fille, pardon. Non, 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 non. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas investir dans les fintechs. Il faut investir dans les sociétés qui mettent le client au cœur de leur organisation. Il y en a qui le font avec la technologie, en s'appuyant sur les technologies, ce sont les plateformes. Mais le côté plateforme, ça existe depuis des années et des siècles. C'est pas pour autant que ça fonctionnait. Prenez des sociétés comme Boo, il y a quelques années, qui étaient des plateformes d'achat, et de nombreuses plateformes d'achat ont fait faillite. Parce qu'elles ne raisonnaient pas clients. Les plateformes qui réussissent aujourd'hui sont des plateformes qui raisonnent clients. Et parce qu'elles raisonnent clients, parce qu'elles se mettent au service du client, parce qu'elles veulent que le client soit satisfait, elles remportent l'adhésion des clients. Et donc, ce qui compte, c'est pas tellement la technologie, mais c'est bien ce souci de mettre le client au cœur de l'organisation. Donc après, que la société soit une société de technologie ou qu'elle soit artisanale, il en faudra pour tous les goûts. Donc, certaines personnes voudront confier leur satisfaction à des robots et d'autres voudront confier leur satisfaction à des artisans qui feront leur métier. Et ce sera la même chose dans la finance, je pense. Bon, moi, ma satisfaction, c'est quand même plutôt de vous confier de confier mon argent à vous, parce que je sais que vous êtes attentif à la mienne, satisfaction. Est-ce que vous pensez que les robots, c'était un vrai sujet hier, est-ce qu'ils vont faire tous la même chose, c'est ce que disent certains, ou qu'ils seront assez pointus pour différencier chaque problématique client? On les programme. Et donc, confier son argent à des robots revient à confier son argent à des programmeurs. Les programmeurs, ce sont des informaticiens, ce sont des gens qui raisonnent technologie, programme informatique. Et donc, évidemment, ils vont tous faire la même chose parce que la finance, l'analyse des sociétés, la compréhension des sociétés et des marchés, c'est un vrai métier qu'on ne peut pas remettre comme ça d'un coup dans un programme. Sinon, ce serait déjà fait depuis longtemps, puisque les ordinateurs étaient déjà assez puissants pour le faire. Mais en réalité, on va effectivement vers un monde très boutonnier. On l'observe déjà au quotidien, hein, la volatilité est amplifiée par les trackers, ces espèces de fonds indiciels qui ne bougent pas beaucoup et qui font tous la même chose. Donc ça augmente la volatilité. Et à l'arrivée, seuls ceux qui vendent les trackers gagnent de l'argent parce que ceux qui les utilisent ne gagnent pas grand-chose en réalité. Et il en sera de même avec les robots. Et du coup, les gens qui auront une approche différente et qui continueront de creuser leur sillon sur des approches différentes feront de la performance. Et dites-moi, j'ai regardé pour TrustTeamRock, ça marche en tout cas. Oui, bah oui, parce que plus les gens font la même chose et plus notre approche a de sens. Bon, je crois que vous m'avez convaincu, Jean-Sébastien, mais il y aura vraiment une différence entre la dictature du court terme et justement les gens qui pensent long, non? C'est ça l'idée? Oui, parce que tous ces robots, on dit que leur force, c'est la rapidité d'intervention. Mais quand on parle d'investissement et qu'on recommande une durée de détention supérieure à 5 ans, quel est l'intérêt de gagner 5 secondes? Merci Jean-Sébastien, ben je veux bien, vous étiez un peu maussade mais sympa comme d'habitude. À bientôt. À bientôt.